Il y a comme une odeur de frites sur la croisette et ce n'est pas un hasard. Le Festival de Cannes s'est ouvert hier et la patate du Nord connaîtra elle aussi son heure de gloire grâce à la baraque à frites d'Hervé Dier. Vous l'avez vu dans Bienvenue chez les Ch'tis, dans Camping 2 et bientôt dans Les Tuches. Eh bien, sachez que ce camion est fabriqué sur la métropole lilloise à Hasbrouck par l'entreprise Edimag et prendra la route dès ce soir pour Cannes. Les dégustations sur place seront gratuites, l'objectif étant bien sûr de faire un clin d'œil aux friteries du Nord-Pas-de-Calais. Écoutez, ces explications, elles ont été recueillies par Baptiste Blic. Le département a pris conscience que les friteries font vraiment partie du décor et puis surtout du patrimoine culturel du Nord-Pas-de-Calais. Elles sont maintenant moins menacées et voilà, donc il faut protéger ces friteries. Ça représente 4000 emplois, c'est 450 friteries dans le Nord. Voilà, donc c'est important de les garder. Donc le fait qu'on maintenant on présente des friteries dans des films, c'est très important pour nous et ça nous sert et ça sert surtout aux gens qui y travaillent.